RLC, Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape maintenant notre fil d'Ariane. Eh oui, Franck, la vie nous réserve parfois bien des surprises. On croit qu'on se connaît très très bien et puis on découvre d'autres choses à plus de 60 ans. Et oui, c'est le cas d'un Hongkongais de 66 ans qui avait très 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 mal au ventre, qui souffrait de ballonnement et ne pouvant plus supporter ses douleurs, décide un jour d'aller aux urgences pour consulter. Et là, les médecins qui l'auscultent lui annoncent en fait qu'il est porteur d'une maladie génétique extrêmement rare, le syndrome de Turner. C'est une maladie génétique qui touche un cas pour 2500 à 3000 naissances de petites filles. Et en fait, ce sont des personnes qui croient depuis qu'ils sont nés qu'ils sont des hommes, alors qu'ils sont des femmes. Je m'explique. En fait, les douleurs à l'estomac que ressentait ce monsieur étaient en fait dues à un kyste qu'il avait développé sur les ovaires, en effet. Et c'est ça qui déclenchait ces douleurs abominables. Et pourtant, il a des ovaires et pourtant, il a des attributs mâles extérieurs. Un micro-pénis, certes, mais un pénis tout de même. Et en fait, un gros clitoris. Et ben voilà, c'est tout à fait ça. C'est effectivement le clitoris qui s'est surdéveloppé. Lui pensait que c'était un micro-pénis, mais c'est le clitoris qui s'est surdéveloppé. Il a en effet pas de testicules, je devrais dire elle n'a pas de testicules. Et en fait, qu'est-ce qui se passe mais dans cette pathologie? Il urine, parce que finalement, s'il urine par son pénis, c'est quand même un pénis. Sinon, parce qu'on n'urine pas par notre clitoris jusqu'à nouvel ordre. Alors, on dit qu'ils ont, ceux qui sont atteints de ce syndrome-là, effectivement des troubles urinaires importants. Ah, d'accord. Je ne peux pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer, ben non, parce qu'il n'y a pas de vagin. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils souffrent également de stérilité. Ils sont, en règle générale, de très petite taille. En effet, ce monsieur mesurait 1m37 et sa croissance s'est arrêtée à l'âge de ses 10 ans. Et en fait, ce qui caractérise ce syndrome de Turner, c'est l'hyperplasie congénitale surrénalienne. Vous comprendrez qu'en fait, c'est la sécrétion anormalement importante d'hormones masculines, d'hormones mâles. Et c'est pour ça qu'il a une barbe et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que c'est un homme extérieurement. Ce que je trouve étonnant quand même au 21e siècle, c'est qu'on puisse passer à côté de choses aussi évidentes quand même. La probabilité pour qu'il le sache un jour était très faible. Il existe 6 cas comme lui connus, c'est-à-dire qui conjuguent les deux pathologies. Le syndrome de Turner et d'avoir des kystes sur cet ovaire. Parce que s'il n'avait pas souffert du ventre, il ne serait jamais allé consulter et on n'aurait jamais pu voir qu'il avait des ovaires. Et toute sa vie, il a été traumatisé par son micro-pénis. Alors la question était de savoir, est-ce qu'il veut être femme ou homme au final, puisqu'il est femme. Et voilà ce qu'il a dit. Écoutez, je me considère aujourd'hui encore de genre masculin, avec une possible prise à l'avenir de testostérone pour m'aider dans ce sens. Oui, ce qui montre bien que pour lui, jusqu'à présent, plus de 60 ans, vous rendez compte, c'est un homme. Bon, et voilà. Alors, ça doit un petit peu être troublant sur un plan psychique, mais malgré tout, ces fondations, si je puis dire, de construction de soi, elles sont masculines. Sur un modèle masculin. Ouais. Donc, c'est assez logique qu'il réagisse comme ça. Il a dû avoir lié à son petit pénis. Bah, sûrement. Parce que même chez les Asiates, le pénis a de l'importance. Mais chez tous les hommes. Merci, Ariane. Merci beaucoup.